sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter quelques idées cadeaux donc que vous pouvez faire et que vous pouvez trouver chez Yves Rocher. Tout d'abord, je voudrais saluer tous mes abonnés, mes nouveaux abonnés, mes anciens abonnés également. Je vous remercie vraiment de votre soutien. Donc, je vous fais de très très gros bisous et merci encore une fois. Tout d'abord, je voudrais vous parler d'un rouge à lèvres, donc de la marque Ouapa, voilà, que j'ai trouvé chez Nous, et c'est la teinte 053G, voilà. Donc, c'est un bordeaux, un joli bordeaux. Voilà, et franchement, moi j'aime vraiment beaucoup parce que, et je le porte aujourd'hui d'ailleurs, et donc comme vous pouvez voir, il n'est pas si voyant que ça, mais très très agréable à porter et il a son effet glossy. Donc si vous voulez trouver ces rouges à lèvres là, vous pouvez foncer là-dessus parce que franchement, ce sont des très très bons produits et moi je suis assez satisfaite en fait de ces rouges à lèvres là. Bien sûr, j'en ai d'autres couleurs, mais j'ai flashé vraiment sur celui-ci. Je vais me rapprocher pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, donc il a un effet glossy et franchement, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup. Alors, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques idées cadeaux. Moi, je me suis basée sur le magasin Yves Rocher et franchement, j'ai trouvé de très, très belles choses. Pour commencer, juste à préciser que tous les mois, je reçois en fait par courrier de la part d'Yves Rocher les offres courrier et c'est comme ça que j'ai obtenu ces produits-là à ce prix-là. Mais sinon, vous pouvez les commander en ligne aussi car vous avez des belles promos en fait sur le site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez faire un tour chez Yves Rocher et voir ces produits-là. On va commencer parce que sinon cette vidéo va durer encore trop longtemps. Alors, pour commencer, bon, je sais que ce n'est pas une idée cadeau, mais pour commencer, moi je suis pris une éponge de massage. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Alors, voyons voir. Franchement, j'aime beaucoup la matière, bien sûr, je l'avais ouvert pour voir. Donc, d'un côté, vous avez l'éponge, comme vous pouvez voir. Et de l'autre côté, vous avez l'éponge massage, en fait. Ça fait un drôle d'effet, en fait, quand vous passez sur la peau, mais c'est très, très agréable. Et donc, franchement, très contente, en fait, de l'avoir pris. Donc là, vous avez aussi un petit crochet et donc les couleurs rouge et blanc cassé, en fait, un beige. Donc, ce sont vraiment les couleurs de Noël. Et franchement, moi, j'aime vraiment beaucoup. Et donc, c'est pour 1,50€ que je l'ai eu. Voilà. Alors ensuite, je vais continuer avec un ensemble que j'ai pris pour 20€. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 6, 7 produits, en fait, dedans. Et franchement, je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup, en fait, pour les prendre à ce prix-là. Donc, tout d'abord, je pars sur l'ensemble de 20€ que je me suis pris. Donc, tout d'abord, il y avait un gel avant-main, donc à la pomme rouge. Voilà. Donc, franchement, moi, j'aime vraiment beaucoup l'odeur. J'adore l'odeur. Elle est vraiment topissime. Donc, franchement, j'aime vraiment beaucoup l'odeur et franchement, je vous la conseille au niveau odeur. Après, je ne sais pas ce que ça vaut comme produit, mais franchement, je trouve que c'est assez raisonnable pour les prix. Hein. Donc, vous avez 6 produits à l'intérieur, 6 ou 7. 6 produits plus un porte-clés et un petit sachet en fait pour emballer les produits. Donc, comme vous pouvez voir, le packaging, il est très très joli. Vous avez des reflets dorés. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien les voir à la caméra, mais franchement, très très bien. Ensuite, continuons dans le set, dans l'ensemble aussi. Donc, un bain de douche, pardon, à la pomme rouge également. Donc là, ce sont les 200 ml. Voilà, donc dans les mêmes tons que le précédent produit.
Voilà le packaging le même. Ensuite, il y avait une crème pour les mains également. Donc, un 75 ml. Voilà. Donc, je trouve que pour. Je vais voir juste la texture parce que je ne l'avais pas testée pour voir. Donc, si vous entendez du bruit, en fait, ce sont mes voisins qui font des travaux. Mais là, franchement, je commence un peu à en avoir marre. Ça sent très très bon, hein. Franchement, ça sent bon. Je me suis mis même sur le nez. Alors, la texture, elle pénètre assez bien. Donc, voilà. Donc, ça fait. Elle pénètre assez bien et franchement. L'odeur, c'est une tuerie. Franchement, j'adore. Donc ensuite, il y avait un lait pour le corps, donc parfumé à la pomme rouge. Donc également un 200 ml. Voilà. Et il y avait aussi un gel gommant, un gel exfoliant pour le corps, également à la pomme rouge. Donc comme vous pouvez voir, les packagings sont toujours les mêmes, hein, dans les mêmes tons. Il y avait aussi un baume à lèvres, donc à la pomme rouge. Voilà, donc le baume à lèvres. Il y avait un porte-clés que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc un porte-clés renard. Très très joli. Et il y avait le petit sachet organza, en fait, que vous pouvez mettre les produits à l'intérieur. Si on met les produits à l'intérieur, ça va faire un très très joli paquet. Et franchement, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc pour offrir, c'est vraiment génial. Voilà. Et puis, moi je ne vais pas mettre le petit sachet, mais je le mets à l'intérieur. Et donc, ça va faire ceci. Alors, donc ça fait ceci. Voilà. Donc pour 20 euros, vous avez tout ça. Donc, je trouve que c'est quand même un très très joli cadeau. Voilà, que vous pouvez faire pour Noël. Et franchement, j'adore l'odeur de la pomme rouge. Donc, voilà. Donc, ça vous fait un petit cadeau comme ceci. Alors, ensuite, vous pouvez la compléter avec une jolie bougie pour 7,95 €. Donc, vous avez cette jolie bougie en fait qui est parfumée aussi à la pomme rouge. Et donc, comme vous pouvez voir, le packaging il est toujours le même en fait que les produits précédents. Donc, ça reste dans les mêmes, dans la même gamme, dans les mêmes tons. Et franchement, je trouve ça très très joli. L'odeur, franchement, et la bougie, elle est comme ceci. Donc, je la trouve très très jolie. Voilà. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Et franchement, ça sent trop, trop bon. Donc, la pomme rouge. Et donc, le vert, il est en rouge aussi. Hein. Donc, ça fait une très, très jolie bougie. Et donc, juste avant de passer aux autres produits, en fait, j'aimerais vous préciser quelque chose. En fait, quand vous allumez une bougie, donc, il faut toujours couper la mèche à moitié pour une meilleure combustion, en fait, parce que là, vous avez la mèche qui est un peu trop longue, comme vous pouvez voir, comme vous pouvez constater. Et franchement, si vous la laissez longue comme ça, en fait, vous allez avoir une flamme, une très très grosse flamme, pardon, j'arrive plus à parler, et après vous aurez de la fumée qui va diffuser. Donc c'est préférable en fait que vous découpez la mèche à moitié. Alors, pour continuer, après, pour 6,95 €, je me suis pris un autre ensemble. Alors, dans l'ensemble à 6,95 €, il y avait un gel avant-main au thé doré. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, le packaging il reste toujours dans la même gamme. C'est seulement la couleur qui change un tout petit peu. Donc, ça, c'est la pomme rouge et ça, c'est le thé doré. Franchement, je trouve que cette année, ils ont fait vraiment fort. Hein. Et je vais voir si j'ouvre, si j'essaye à ouvrir, si j'arrive à ouvrir. Ça sent bon, ça sent vraiment trop bon le thé doré et franchement je suis fan aussi de l'odeur et les packagings sont vraiment magnifiques. Alors ensuite il y avait aussi un bain douche, voilà, un bain douche en fait de 200 ml également, voilà.
Et dans le gel lavant-main, il y avait 190 ml. Et ensuite, il y avait une crème pour les mains de 75 ml. Voilà, donc très très bien. Très joli packaging aussi. Voilà. Et il y avait aussi une petite pochette pour emballer le cadeau. Voilà. Donc si on met les cadeaux à l'intérieur. Alors, ça vous fait ceci. Alors, attendez. Je vais faire ça comme il faut. Donc ça fait, oh là là, ça fait du bruit, c'est pas possible. Là, ça vous fait ceci. Donc pour 6,95 €, je trouve que c'est assez joli. Voilà. Donc je trouve très très joli. Et ensuite, pour compléter ceci, pour 7,95 €, vous avez la bougie aussi au thé doré. Voilà, donc la boîte elle est très très jolie. Et la bougie également. Ça sent bon. Je crois que je préfère le thé doré en fait en parfum. Et donc franchement, j'aime vraiment beaucoup en fait le packaging. Donc là, la bougie elle est là. Et cette fois-ci, le verre il est jaune. Donc très très jolie couleur. Alors ensuite, pour compléter tout ça, vous pouvez rajouter un gel gommant, donc 200 ml. Voilà, donc pareil au thé vert. Et donc le gel gommant, il était au thé vert, bien sûr, au thé doré. Excusez-moi. Donc le gel gommant, il était à 4,95 €. Voilà, donc très très bien. Et donc ensuite, il y a la crème pour les mains. 200 ml, non, 75 ml, donc pour 2 euros, je ne vais pas vous dire des bêtises non plus. Pour 2,50 € la crème pour les mains, et ensuite vous avez aussi le baume corporel au thé doré. Voilà, également, donc c'est un 150 ml cette fois-ci. Voilà. Donc, très très joli packaging, donc ça reste dans les mêmes tons. Et donc, ensuite, si on fait tout ça, donc on a pour 6,95 €. Donc, 6,95 € 11. Donc, 11. 11, 11. Donc, 6,95 €. Donc, ça fait 12, 14. 14, 14. 14 et 7, 21, donc 26. Donc pour 30 euros cette fois-ci, vous avez donc tous ces produits-là. Donc pour 30 euros, vous avez donc 3, 4, alors 5, 5, 5. Non, la crème juste pour préciser, la crème je l'ai pris en deux fois, donc autant pour moi. Donc 6, alors 2, 4, 5, donc les 6 produits pour 30 euros. Voilà. Et donc je ne les ai pas bien classés, mais ça fait une jolie pochette en fait. Donc là, vous avez pour 30 euros, vous avez le beurre corporel, la crème pour les mains, la bougie, le gel lavant-main, le gel douche et le gel, alors, et le gel exfoliant. Voilà. Donc pour 30 euros, 6 produits. Voilà, 6 ou 7. 6 produits. Et pour rajouter la bougie à cet ensemble-là, vous avez pour 27,90 €. Voilà. Donc si vous rajoutez la bougie dedans, vous avez pour 27,90 €. Et donc celui-ci, vous l'avez à 30 euros. Voilà. Donc après, les prix varient en fait selon les produits. Donc après, il me semble qu'il y en avait d'autres en fait. Il y avait d'autres produits que moi je n'ai pas trouvé en fait. J'avais pas sur mon bon de commande, mais vous pouvez les trouver en fait sur le site d'Yves Rocher parce que je viens d'y rentrer et je les ai vus. Vous pouvez y aller, pardon, faire un tour sur le site, donc vous trouverez que des merveilles. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai eu encore? Ensuite, j'ai acheté donc un enlumineur liquide, pardon. Voilà, il y a 15 ml dedans.
Voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, les packaging sont aussi jolis. Donc c'est du bleu avec des écritures dorées. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais appliquer le produit. Ouh, ça va un peu foncé, hein. Ça me paraît un peu foncé en fait pour ma carnation. Mais bon, après. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois étalé? Est-ce que c'est pour le visage et pour le corps? Si je ne me trompe pas. Oui, oui, visage et décolleté. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, bah, il y a pas trop gluant. Voilà. Donc, je ne sais pas. Pour 5,95 €. Mais franchement, là, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il y a pas d'effet, en fait, brillant. Enfin, moi, je trouve pas. Après, c'est peut-être ma peau qui est comme ça. Donc, je vois pas la différence ici et ici. Donc, vous pouvez voir. Il n'y a pas une différence. Hein. Franchement, il n'y a pas de différence. Et bon, après, je ne suis pas trop, trop satisfaite. Donc, ils disent qu'il faut éviter le contour des yeux. Voilà, donc. Peut-être qu'on peut le mettre avant la crème. Avant la crème, avant le fond de teint, peut-être à essayer après, mais je sais pas, je vois pas trop de différence en fait au niveau de la main, de la peau, pardon. C'est un highlighter, voilà. Je sais pas. Bon, bref, à tester. Mais franchement, je vois pas d'effet en fait. Donc voilà. Déjà, c'est pour moi, je suis pas satisfaite. Déjà, le rendu pour moi est pas. On voit pas trop en fait la différence. Voilà. Donc pour moi, c'est un flop. Celui-ci, c'est un flop. Alors ensuite, pour 15,95 €, je me suis pris un highlighter duo. Voilà, comme ceci. Donc, le packaging, il est très, très joli. Moi, je vais enlever ce scotch parce qu'il m'énerve. Depuis tout à l'heure, je veux l'enlever et j'arrive pas. Alors, voilà. Là, je l'ai enlevé. Ça y est. Donc, l'highlighter, le packaging qui se présente comme ceci. Donc, très, très joli. Avec des écritures dorées également. Voilà. Et donc, vous avez l'highlighter à l'intérieur. Donc, c'est un duo. Vous en avez un plus foncé et un plus clair. Donc, je vais essayer de vous swatcher tout ça. Bon, on ne voit pas trop la différence entre les deux. Hein. Franchement, on ne voit pas la différence entre les deux. Donc, à voir. Ah oui, si sur la peau, on les voit. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, j'ai appliqué le plus foncé. Là, c'est le plus clair. Hein. Donc là, on voit sur la peau, mais comme ça, en fait, en les swatchant, on ne le voit pas. Donc, très, très joli rendu. J'aime vraiment beaucoup. Vous en avez un qui est plus foncé et l'autre qui est plus clair. Donc, très, très bien. Contente de l'avoir pris celui-ci, parce qu'il me plaît beaucoup. Voilà, donc la pigmentation est bonne. Et donc, moi, j'aime vraiment beaucoup. Alors, ensuite, pour 15,95 €, je me suis pris une petite palette comme ceci. Donc, ça fait également. C'est également une édition limitée, donc pour Noël. Et franchement, la palette, elle est géniale. J'adore. Donc là, vous avez un miroir et vous avez les fards à l'intérieur. Voilà. Donc là, sur ce fard-là, vous avez le logo de Yves Rocher. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais vous mettre comme ceci. Voilà. Donc là, on le voit. Et on a un petit pinceau double embout. Voilà, un côté mousse, que moi, je m'en sers pas. Et un côté pinceau. Voilà. Donc, le côté pinceau, oui, peut-être. Donc, voilà. Donc, on a trois fards mat et deux, quatre mat, quatre irisés, pardon. Voilà, donc très très jolie palette. Donc il y a des nudes, il y a du marron, il y a du bordeaux. Donc très très jolie palette. Il y a de quoi réaliser un maquillage de fête. Voilà, donc très très contente de l'avoir pris.
Je me suis pris la grande palette. Voilà, je l'ai ouvert. Donc, le packaging, il est très, très joli. Donc, je trouve que très, très joli packaging. Donc, pareil, avec des écritures dorées et le fond bleu. Voilà, et là, on a la palette. Alors, donc, la palette, elle se compose d'un fard à jour. Elle se compose d'un bronzer. De 6 rouges à lèvres. Voilà. Et de 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards à paupières. Voilà. Très, très jolie palette. Après, au niveau pigmentation, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc, je la trouve très, très jolie. Hein. Franchement, pour 19,95 €, elle est vraiment, vraiment magnifique. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, on a des rouges à lèvres dans les tons bordeaux rouge. Et franchement, une très, très jolie palette, en fait, à offrir également. Donc, pour 20 €. Alors, voilà, ça, c'était la grande palette pour 19,95 €. Et ensuite, pour 3,95 €, je me suis pris une jolie trousse. Voilà, comme ceci. Elle est beige avec des reflets dorés. Donc voilà, elle est très très jolie. Hein. Donc de ce côté-là, elle est beige tout simple. Et de ce côté-là, elle a les motifs dorés. Voilà. Et sur les côtés, c'est doré également. Voilà. Et donc je la trouve très très jolie. Hein. En forme de petit sac. Donc il y a de quoi mettre en fait ses maquillages de Noël à l'intérieur. Hein. Et franchement, je suis très très contente en fait de l'avoir pris. Donc pour 3,95 €, je trouve que c'est quand même une très très jolie trousse. Alors, donc après j'ai eu des cadeaux. Alors, je vais vous montrer ça. Donc j'ai eu pas mal de cadeaux, enfin 4 cadeaux. Tout d'abord, j'ai eu un calendrier de l'Avent. Donc avec 60 ans de beauté et d'engagement. Donc, ça fait 60 ans en 2019. Voilà. Donc, les 60 ans d'Yves Rocher. Et franchement, le calendrier, il est très, très joli. Donc là, vous avez en fait toute l'année. Voilà. Ensuite, vous avez le calendrier par mois avec une photo chaque mois. Sur la deuxième page, alors le mois de février, voilà, le mois de mars, non je vais pas vous, mais en fait ça se présente comme ceci et je trouve très très joli. Voilà, les calendriers on en a besoin toujours. Alors ensuite j'ai eu un lait corporel parfumé, donc c'est de la marque de la gamme Evidence. Voilà, donc moi la gamme Evidence je n'aime pas, j'aime pas parce qu'en fait ça, pour moi ça sent trop trop fort hein, et franchement je le laisserai pour un concours hein. Voilà. Ensuite, j'ai eu un élixir jeunesse, réparation plus anti-pollution. Donc, c'est un soin restructurant. Donc, à l'extrait de surconcentré d'Afloia, si je prononce bien. Voilà. Donc c'est pour la nuit. Et donc, je le donnerai à ma mère parce qu'elle utilise en fait ce genre de produit. Moi, je n'utilise pas encore. Donc, elle sera très, très contente en fait de le recevoir. Et là, c'est un 50 ml. Et le quatrième produit, c'est un calendrier de l'Avent à fabriquer soi-même à l'intérieur. Enfin, à fabriquer soi-même, à remplir soi-même. Donc là, il est présenté dans une petite pochette. Donc, elle est beige avec des motifs de Noël dessus. Et à l'intérieur, donc, on y retrouve les pochettes. Je vais vous sortir tout ça. Donc, vous avez une ficelle. Donc, c'est un calendrier de l'Avent en guirlande, en fait. Donc, vous avez la ficelle et vous avez les petites pinces pour accrocher les petits sachets, en fait, sur la guirlande, sur le fil. Donc, vous avez à chaque fois une pochette rouge et une pochette beige. Donc, à chaque fois, ce sont des motifs différents. Voilà. Donc, très, très joli motif quand même.
Voilà, 19, le 18. Donc, le 17, je ne vais pas tout défiler, hein, mais franchement, ce sont de très, très jolis motifs. Et pour les enfants, en fait, ça fait un joli calendrier de l'Avent en guirlande. Donc, très, très bien. Franchement, très pratique, en fait, pour les enfants. Donc voilà, ça c'était mes achats chez Yves Rocher. Donc je vous ai donné quelques idées cadeaux pour Noël. Donc je vais juste faire un petit récapitulatif. Donc pour 27, pour 30 euros, vous pouvez avoir donc un joli coffret comme ceci. Donc avec une poche, un baume pour le corps, une crème pour les mains, une bougie, un gel lavant-main, un gel exfoliant pour le corps un gel douche, voilà, donc pour 30 euros, celui-là au thé vert. Hein. Et pour 27,90 € vous pouvez avoir un joli coffret comme ceci. J'ai pas mis la bougie à l'intérieur, hein, mais là c'est la senteur pomme rouge. Et donc là vous avez le gommage, l'exfoliant pour le corps, la crème main, le gel lavant-main. Vous avez le lait pour le corps, vous avez le gel douche, vous avez un baume à lèvres, vous avez et le porte-clés renard. Et ensuite, vous avez la bougie. Donc, pour 27,90 €, un joli paquet comme ceci, pour un joli ensemble pour faire cadeau à Noël. Donc, après, si vous voulez, pour 20, pour 50 euros, vous pouvez avoir ce trio-là. En fait, la grande palette, la petite palette et le duo en lumineur poudre. Donc, très très duo en lumineur compact, pardon. Donc, très très jolie collection aussi. Donc, pour 50 euros, la grande palette, la petite palette et le highlighter. Donc, moi je trouve que c'est très 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 joli. Donc, après, si vous voulez rajouter l'enlumineur liquide, mais moi je vois pas en fait de différence sur ma peau. Donc, ça reste toujours sans. Si vous voulez, ça ne plie pas du tout en fait. Ça... Bon, après, à tester sur le visage. Donc, voilà. Donc, pour 55 euros, vous avez 4 produits. 4 produits en idée cadeau. Ce que je trouve en fait assez raisonnable. Et voilà. Donc, je vous fais de très très gros bisous et j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit pouce bleu pour m'encourager. Je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.